6 juin 93. Nous sommes sur le terrain de Tichet, de retour. La dernière, nous avons fait une très belle prestation. Et là, cette année, le soleil est là. La dernière, il n'est presque plus. Mais là, nous avons 60 pilotes engagés. Les essais libres vont bientôt commencer. Et nous allons avoir une très belle course. Il y a de très belles coupes à gagner. Et nous vous souhaitons une bonne journée à tous. Je pense que ça va donner, j'ai pas tellement essayé la voiture encore. On va souffrir hein. Non, les moteurs c'est parfait. Et on fait surtout la piste pour cet après-midi. Thank you.
première course. On se retrouve en dernière position. Entre le 12 et le 11, eh bien, c'est le Suisse qui double le quota pour l'instant. Le 48 en deuxième position, le 12 en troisième, alors que le 39 passe en quatrième position. Alors que la CGTV nous a fait une remontée, se retrouve en cinquième position. Se détache, le 72, une bagarre entre le 72 et le 55, alors que je demande en premier le 60, le 3, le 22, le 9, le 44, le 53, le 23, le 99 et le 38. Il nous fait une superbe course. Il est très très derrière encore.
Michel aura des problèmes. Le 46 en première position. Le 73 de l'Aige en première position, le 46 en deuxième, le 65. Oh, alors que derrière, José a également des problèmes pour repartir. Thank you.
Il va porter l'attaque. Non. Ah, ça va être dur quand même. Le numéro 19 en troisième position, le 36. Ah, ça va être très dur pour Jean-Marie. Ah, à l'extérieur, non. Ah, il est bloqué par le Renault 12. Apparemment, bien entendu, 99 qui prend soin, s'il vous plaît, les extincteurs. Voilà, tout va rentrer dans le monde. Rien de bien l'homme. Alors que de la balle va-t-il passer le 53? Bien raison. La même de virée, alors que Brossard pour aller le chercher, ce sera très dur. Regardez bien le numéro 3, va-t-il passer le 3? Oui, il va se retrouver en deuxième position. Jean-Marie de la balle. Regardez, deux boîtes. Donc pour 40 en tête. Bon. Chéri du numéro 31. Giffon. Le 73 va le qui va essayer de passer. Ah, le 40, c'est les ennuis. Là, c'est reparti. Voilà. Ah, c'est vrai, la prochaine fois, la chine a produit, c'est le 73. Et on a profité. Le 73 tout en tête, le 40, en deuxième position, en troisième position, le 31. Le 11, tout en tête, en troisième position, le numéro 46, Bravo. Je précise à la public que quand même, il y a une coupe qui a été offerte par le bolide de Chiché pour celui qui effectuera le plus grand nombre de tours. Ça évite le tracteur, ça évite le tracteur. Il y a déjà un seul candidat qui... Là, ça se retire. Là, ça se retire. Voilà, on retrouve le 10, le 7, le 49, le 40, le 88, pardon, le 33. Le 63 est un favori. Ah oui. Et c'est dommage pour le 63, car tout à l'heure ils avaient fait une super course, mais rien n'est encore fini pour lui. Hein. Voilà, je n'ai pas jusqu'au dernier, donc rien n'est encore fini. Pascal Boucher en tête. Pour une tout à l'heure, deuxième position, la puissance est passée par la 49. Ah, c'est ça, c'est la vie. La puissance de la Lévis. Pascal Boucher en tête, Blanchard en deuxième position, Beryl en troisième, en quatrième position le numéro 88, Guiller, Turpeau en cinquième position. Pour la première place entre Pascal Boucher sur Golf GTI et Blanchard sur VX, pardon. Voilà, on se
contexte pour se préparer la zone de départ. Donc le 10, le 49, le 7 en troisième position. Donc le 32, le 80, le 36, le 54, le 30, le 29, le 35 et le 2. Alors que le numéro 36 commence à fumer sérieusement, se trouvant en troisième position. Le 83, le 60, le 30, le 53 et le 22. Il s'agit du pilote Bonin-Suire sur Ford. Apparemment, il aurait cassé son radiateur. Le 34, apparemment, qui connaîtrait le problème de sortie de piste. Le 62. Et croyez-moi, il va y avoir du spectacle entre le numéro 9 et le numéro 3. Belle bagarre derrière avec le Sirocco et la Renault 20. Le 73 dans l'âge en première position, le 80 en seconde, le 54, le 29, le 31, le 32, le 51, le 50 et le 55. Ça s'en va.
51. Le 50. Georges Murat. Le 17. Donc le 73 tout en tête, suivi du numéro 80, le 54 le numéro 6. Deuxième position. Voilà, en première position la VX, en deuxième position la Renault 20. Alors que Brossard aurait loupé son départ. La VX en première position, en deuxième position, le numéro 17, Girardot sur ça, Renault 1, en troisième position, Jean-Sébastien Tour, attiré en quatrième position, on retrouve la BMW de Patrick Mathieu. La 17 connaîtrait des problèmes. Ah, ce serait dommage. Ah, ce serait bien dommage pour Girardot. Il est une très belle deuxième place. Un petit coup de vache possible. En quatrième position, Patrice Mathieu. En cinquième position, le Flandéen. Péril. En sixième position, Bruno. En septième position, Nicolas, le pilote de la ville. Voilà, le
7. Pas de quatrième place, le 12, le 6, le 63. Alors Jean-Paul, qu'est-ce qui t'arrive? Le 7, le 63, le 3, le 52, le 10, le 23, le 64, le 41 et le 5. En premier. 31, Giffon, Renault 15. Le 50, le 51, oui, c'est... Le 32 qui en tête, le 51, le 72. Alors que le boss qui a eu une sortie de piste, c'est le numéro 31. Le 32 en tête, le 72, José Murat en 3ème position. La féminine en 4ème position. Le 72, le 50, ah le numéro 30, celui qui nous a fait claquer. Donc en pré-grille, le 12, le 7, le 63, le 3, le 52, le 10, le 23, le 64, le 41 et le Yeah.
Le 5, le 6, le 7,
Cela doit se dérouler. Première position, le 51, le 46. Voilà, ça va repartir. Surtout en première position. Numéro 52 qui se décide à l'identité. Sur son tête, allons la deuxième position sur sa roulotte. On est dans le terme de l'île, au sud de réussi à faire tout à l'heure au premier passage, il n'a pas réussi en bas, il s'est dit je le ferai quand même. Oui, le 38 sur la butte de terre, c'est lui qui nous a effectué un petit côté tout à l'heure. Voilà le 33, donc victoire du 33. Le 51, ah ben le 33, ouais. Oh. Et puis on va à l'arrière, on fait ça à l'arrière. Voilà, c'est ça, on bloque le frein là, on met la marche arrière, on bloque le frein là, et on tourne sur place. Le 46, le 53. Ah, il essaie de retirer l'autre, hein. Il y tient. Il est remonté. Oh, je pense pas que ce soit le 41, le 46, le 53. Plusieurs manches. Et ces manches se déroulent à partir de 10h du matin. Il y a des essais, chronométrés ou non. Là, il n'a pas été finaliste. Les deux derniers, là, il n'y a qu'à mettre plutôt ça, là. Le 53, il n'y a qu'à redescendre. Le 53, soit 53 et 60. Place. Ouais, à la 17e place. Alors, 16e place. Ouais, ouais. On va rayer ça, là. Voilà. Voilà.
On n'a pas voulu marquer les points. Oui, ça tourne autour de 17 points. Alors ici, j'ai un frais. C'est ça, mais complètement. J'ai un frais. Pas le rapport à mon frère. Également, quasiment. Voilà, vas-y. Pauline, t'as voilà. Combien de Saint-Martin, Chiché, Gymnastique et Musique. Je ne trompe pas. Robert Gélin. Ben non. Qui t'offre ce magnifique trophée. Il s'agit de Palage. Parce qu'à mon avis, il doit avoir une belle étagère. Hein. 49 points, 11 points de différence. Le deuxième, c'est le numéro 32. Thank you.
Deuxième avec